Voilà, bonsoir tout le monde, que le Seigneur vous bénisse dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce, pour son amour et surtout sa fidélité et sa longanimité envers nous tous qui le servons. Et pour sa grâce abondante et renouvelée tous les jours en notre faveur. Le Seigneur est vivant, il est au-dessus de toutes choses. Voilà, on va prier. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Prends contrôle et glorifie ton Saint-Nom au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, j'ai tenu à faire ce direct pour faire... C'est un constat que je voudrais faire par rapport à une situation que je suis en train d'observer depuis un certain bout de temps. J'ai reçu des appels partout. J'ai reçu des appels partout. Tout à l'heure encore, je recevais un autre appel de quelqu'un là-bas en Europe. Il me disait, papa, voilà ce qui se passe, je suis au courant. J'ai dit, oui, mon fils, je suis au courant de tout ce qui se passe là-bas. Je suis au courant. Donc, voilà. La Bible dit, pourquoi tout ce tumulte? Pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils ligués contre loin de l'Éternel? Pourquoi ce tumulte parmi le peuple?
Vous savez, le christianisme aujourd'hui est très très compliqué. Le christianisme est devenu quelque chose de compliqué. Et je pense que pour des raisons personnelles, j'ai dû un peu revenir sur ça. Mais le christianisme est très compliqué aujourd'hui. C'est compliqué. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Pas du tout facile. Et je dis toujours que cette honte-là, nous la portons dans l'Église de Dieu. Bonsoir mon frère le prophète Kamto. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Appelle direct, je t'appelle. Si tu es encore éveillé. C'est vrai, c'est samedi soir. Bon, c'est aussi vrai qu'entre nous, il n'y a pas de samedi soir ou de lundi. Donc, on ne connaît pas tous ces protocoles. Que Dieu te bénisse. Donc voilà, bien-aimé, moi je pense que l'Église de Jésus-Christ a des difficultés énormes. Alors, nous sommes en train de parler. C'est un peu compliqué. La manière dont nous gérons les conflits dans l'Église, c'est très, très compliqué, mes amis. C'est très compliqué. C'est compliqué, c'est énorme. J'ai suivi un de mes bien-aimés. Je ne sais pas comment je vais décrire. Un de mes bien-aimés avec qui on a été et qui ces derniers temps fait un travail systématique et systémique de sabotage contre ma personne. Pas seulement contre ma personne, mais contre le ministère prophétique en général. Quand tu peux avoir des problèmes avec une personne, tu t'exprimes, tu cibles la personne, mais pas le ministère tout entier. Parce qu'il ne faut pas que nos problèmes personnels, ça veut dire que ce qui nous dérange, fassent en sorte qu'on porte même Dieu sur notre dos. Parce que Jésus-Christ n'est pas fou d'avoir fondé les saints ministères. Et il faut que nous comprenions une chose, mes amis. L'Église, si, ce n'est pas l'affaire des noms. Et Dieu est juge entre les serviteurs, ses serviteurs. Jésus-Christ a dit clairement, Otisou es Petros, en tao tete Petra, et moi je dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Mouten Ecclesia en grec, c'est mouten moun. C'est une forme réflexive qui marque la jalousie même dans l'expression. Donc quand Jésus-Christ dit que l'église c'est son église, il va la bâtir. L'église n'est pas l'église d'un homme de Dieu. Ce n'est pas l'église d'un prophète ou d'un évangéliste ou d'un apôtre ou d'un pasteur ou d'un docteur. L'église appartient à Jésus-Christ. Et les brebis qui viennent chez nous ne nous appartiennent pas. Une brebis n'est pas la propriété d'un homme de Dieu, mais la propriété exclusive de Jésus-Christ. Parce qu'aucun homme de Dieu n'est mort sur la croix pour une brebis. Et peut-être même que si on nous arrêtait là, on nous met la croix, là, on dit bon. Comme tu aimes tous tes brebis, monte alors. On te crucifie comme Jésus, tu meurs. Quelqu'un allait dire que non, j'ai ma famille, vraiment. Je les aime, mais pas jusqu'à mourir, laisser ma femme veuve et avec mes enfants orphelins. Donc, les brebis appartiennent à Jésus-Christ. Il a dit, Ego imihe opohimen hokalon. Moi, je suis le bon berger. Donc, c'est Jésus-Christ qui est le bon berger. Et nous sommes des serviteurs inutiles dans la maison de Dieu. Sincèrement, les guerres entre nous, ça ne sert à rien. Ça ne nous mènera nulle part. Nulle part. Donc, si mon frère a un problème contre moi, je préfère que tu te grises contre moi. C'est-à-dire, érige-toi contre moi, dis tout contre moi. Mais ne pas, t'attaquer au ministère des prophètes. Ne dis pas que les prophètes, c'est des mauvaises personnes. Ne suivez pas les prophètes. C'est très dangereux. En ce moment-là, finalement, tu es en train de combattre l'un des ministères que Jésus-Christ lui-même a établi dans son Église. Alors, le bien-aimé, je pense que en parlant de moi, tout le monde le sait. Les gens m'écrivent de partout, les gens m'appellent, et c'est papa, vous avez suivi, même les gens de sa propre Église qui m'écrivent. Sur Internet, papa, on parle de vous ici, on vous sac ici tous les jours, on vous descend et tout, qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, moi je pense qu'il y a une règle que nous devons comprendre en tant qu'homme de Dieu. On n'est pas des enfants. Le ministère n'est pas pour les enfants. Je n'ai jamais
attaquer un homme de Dieu sur mon pupitre. Le pupitre ne doit pas être le lieu où il faut résoudre les conflits, les problèmes, où il faut crucifier les gens. Non. Je pense que ce n'est pas respectueux pour le Saint Ministère. Le pupitre ne doit pas être l'endroit où on règle les comptes. Non. Le pupitre, c'est où le nom de Jésus-Christ doit être glorifié. Si tu as des problèmes avec moi, joins-moi. Il y a tous les moyens pour me joindre. Il y a toutes les possibilités pour me joindre. Pourquoi prendre une affaire, peut-être, qui est entre toi et ton frère, et tu passes sur les réseaux sociaux, tous tes cultes, tu parles de ton frère, et tout ça, tu le dénies, tu le descends, et les fidèles qui vont les délivre de moi, et tout ça, et les gens m'écrivent. Donc les gens sont assis comme si ils ne suivent pas, mais les gens comprennent. C'est mieux de déballer tout une fois. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. On peut ne pas se comprendre sur un point. C'est normal, on est des hommes. Même Dieu et Satan dans le ciel ont eu des problèmes. Donc, les problèmes entre les humains, c'est quelque chose de normal, c'est une normalité. Mais, on peut avoir des problèmes aujourd'hui, on peut ne pas se comprendre sur un point. Et demain, par la grâce de Dieu, on se retrouve, on s'assoit et puis on parle et on s'accorde. Mais pas besoin de prendre ça, quelque chose qui est privé, pour en faire quelque chose qui soit public. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sage dans tous les cas. Un homme de Dieu ne doit pas faire ça. C'est un manque de maturité, en fait. Lorsqu'on est mature, il y a une façon de gérer les choses. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas présenter quelqu'un à ton peuple que c'est un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, que Dieu t'a parlé sur lui. C'est-à-dire que tu as cherché quelqu'un parce que Dieu t'a parlé sur lui. Le Saint-Esprit t'a rendu témoignage et que toi-même tu rends témoignage. Et aujourd'hui, la même personne, sur le même pupitre, dans le même lieu, tu la présentes et la dépeins comme un diable. Heureusement, il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos, on va aller fouiller, on revoit un peu ce que quelqu'un dit hier, ce que quelqu'un dit aujourd'hui. Je dis encore que ça ne présente pas bien, en fait, ce n'est pas nécessaire. Parce que le même Saint-Esprit qui t'a donc parlé hier, lequel te dit donc aujourd'hui que je suis un sorcier, si le Saint-Esprit ne t'a pas dit en ce temps que je suis un faux prophète, est-ce que maintenant donc on peut être sûr que c'est le Saint-Esprit qui dise que je suis un faux prophète? C'est-à-dire, quand nous posons certaines actions, nous nous remettons nous-mêmes en cause. Parce que imagine-toi que moi je présente quelqu'un et je dis que ça c'est un vrai homme de Dieu. Demain je reviens encore dire au même peuple que c'est un faux prophète. Le peuple dira quoi? Ah donc tu es aveugle. Donc tu nous as fait venir un faux prophète ici. Et maintenant qu'est-ce qui nous prouve donc que tes yeux se sont plutôt ouverts que fermés? Et ça mène la confusion dans la tête des brebis. Quand il y a un problème, Jésus-Christ l'a dit clairement. Approche-toi de ton frère et parle-lui. Tu as quelque chose à me dire. Dis-le-moi, on discute. S'il y a des points de non-accord, ça arrivait dans l'histoire. Ça arrive encore aujourd'hui, ça arrivera demain. Parfois, il y a des choses que quelqu'un peut ne pas être d'accord. Il reste tranquille. Je ne peux pas venir prendre, commencer à perdre mon temps pendant mes cultes à parler d'un frère. Surtout un frère avec qui on a été. On a passé de bons moments. On a passé un moment de partage, mais sincèrement entre nous, on ne balaye pas ce genre de choses du revers de la main. Non! Non! On ne balaye pas ça du revers de la main. Moi, je pense que nous devrions porter notre responsabilité en tant qu'homme de Dieu. Comprendre que le ministère, c'est pas les jeux. Le ministère est plus sérieux. Il est plus sérieux que cela. Je ne peux jamais me retourner contre un frère. Chez nous, les peuls, il y a ce qu'on appelle amana. Amana, c'est la loyauté. C'est la loyauté envers les gens. Quelqu'un qui m'a reçu chez lui, j'ai mangé dans sa maison. On a partagé des moments extraordinaires ensemble. Aujourd'hui, si on a des incompréhensions, même s'il y a quoi, je ne peux jamais prendre l'initiative de venir sur ma page ou bien pendant mon culte, commencer à dire aux gens en parabole. Les gens ne sont pas bêtes. Il y a un homme de Dieu qui a amené ici, les faux prophètes, les jeunes prophètes, ils nous troublent, ils troublent les gens, etc. Non.
J'ai un problème. Je pense qu'il faut voir le concerné par la venue. Parce que en faisant comme ça, nous nous ridiculisons nous-mêmes et nous ridiculisons le Saint Ministère. Le ministère n'est pas pour les enfants. Que ce soit mon bien-aimé, moi, personne n'est enfant. Si on était des enfants, Jésus ne nous confierait pas la responsabilité de gérer son Église. Dans ma nation, je suis une autorité spirituelle, tout comme mon bien-aimé. Donc, on ne va pas mourir pour ça, mon ami. Et après, on va faire comment au ciel? Quand tu vas me voir au ciel, on va faire comment? Ne jugeons pas les gens parce qu'on n'est pas content d'eux. Parfois, quand tu n'es pas content, c'est mieux de garder le silence, garder le calme. C'est ça la vérité. L'histoire du prophète Joël Francis Tatou, on voit ça aujourd'hui avec le pasteur Marcelo Tounassi, avec les Yves Castano, etc. On a vu cela. On a vu comment ils se déchiraient. Et il y a de leurs enfants qui ont pris parti. Ils ont insulté tel le camp, s'ils insultent l'autre camp insulte l'autre camp. Mais là, ils se sont réconciliés. Je n'ai pas vu un direct où ils se sont rassemblés ensemble pour demander pardon à tous ceux qui les ont suivis dans cette folie. Ça montre qu'un homme de Dieu peut se tromper, induit son Église en erreur. Nous ne devons pas, si nous, hommes de Dieu, nous nous comportons comme ça, nos brebis vont faire quoi? On est quel modèle pour elles? On met de l'aigreur, de la haine pour les hommes de Dieu. Sincèrement. Donc ne reproduisons pas l'erreur de Ivan Castano, avec Pasteur Marcelo, avec le professeur Joël Francis Tatou. L'homme sage apprend des erreurs des autres. Lorsque nous faisons comme ça, quel esprit nous inculquons? Qu'est-ce que les brebis vont même d'abord penser de nous? C'est toi-même qui nous l'as amené. Maintenant, tu l'as amené, tu nous as dit que c'est un vrai homme de Dieu. Maintenant, tu reviens encore, tu nous dis que c'est un faux homme de Dieu. Mais sincèrement, est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est Christ là-bas? Est-ce que c'est ça le christianisme que nous enseignons aux gens? En quoi suis-je faux prophète? On a mangé ensemble, on a bu ensemble, on a parlé ensemble, on a prié ensemble. On s'est rendu témoignage de ce que le Seigneur a fait. Moi, je ne renonce pas, je ne change pas une seule parole du témoignage que j'ai donné sur toi, mon frère. Je ne change pas une seule parole. Je ne reviendrai jamais dire que tu es un faux homme de Dieu. Pas même parce que tu as parlé contre moi, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. On est des êtres humains, on est des hommes de Dieu, c'est vrai, mais on est des hommes, après tout. Il peut arriver, comme ça arrive avec les Ivan Castano, ce qu'on a vu, ça montre clairement qu'un homme de Dieu peut induire son Église en erreur, en incitant les gens à la haine, à la division. Qu'ai-je fait pour mériter le ticket de faux prophète? Ok, on n'a pas la puissance, on prophétise, on donne le numéro et tout ça. Suis-je le Saint-Esprit? Ça, c'est un reproche qu'il faut aller faire au Saint-Esprit lui-même. Pourquoi, je ne sais pour quelle raison, l'on doit aller jusqu'à s'immiscer, s'ériger contre le Saint-Esprit. Je prophétise par moi-même. Qu'est-ce que la Bible dit? Aucune prophétie n'est jamais sortie par une volonté humaine. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand nous faisons cela, les brebis vont dire quoi de nous? Vont penser quoi de nous? Pourtant, s'il y a n'importe quoi, vraiment, il faut... Parlons. Parlons entre hommes. Parlons entre hommes. Et moi, justement, pour ne pas me retrouver dans des situations, des erreurs comme celle-ci, et voilà, pour ne pas donner mauvaise image du ministère, je préfère me taire. Jusqu'au jour où le Seigneur permettra qu'on se revoie, qu'on s'asseye et qu'on parle. Mais je dis encore, s'il vous plaît, pardon. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Parce que les gens que nous dirigeons, ce n'est pas des moutons. Ce n'est pas des animaux. Parmi ces personnes, il y en a qui sont plus éduqués que nous. Il y en a plus intelligents, intelligentes que nous. Il y en a plus instruites que nous. Plus riches que nous. Plus âgées. Que nous, donc, ces personnes nous observent. Elles comprennent, mais elles ne disent rien. Elles comprennent parfois que non, ici, le papa est en train de... Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas.
Donc, bien-aimé, sincèrement, ce que tu fais ne, n'avantage ni toi, ni l'Église. Tu veux faire quelque chose me concernant, tu peux m'appeler, me parler ouvertement. Tu peux le faire. Mais me saquer, me calomnier, essayer de me désapprouver aux yeux des gens en Europe, ça ne changera rien. Jésus a dit, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as données, si ce n'est le fils à perdition. Ce qui est à moi, personne ne peut arracher cela. Moi, je n'ai pas besoin de venir effrayer les brebis. Parce que vous faites attention de ne pas tomber dans le sectarisme chrétien. Ne tombons pas dans le fanatisme chrétien. Je n'ai jamais, et Jésus-Christ m'est témoin, je n'ai jamais enseigné qu'en dehors de Réma, vous n'aurez jamais d'autres églises où on enseigne la vérité comme ça, en dehors de moi. Je n'ai jamais fait ça. Et je ne le ferai jamais toute ma vie. Je n'ai jamais dit aux brebis que le Seigneur m'a confié. Oh, méfiez-vous de tel, méfiez-vous de tel, méfiez-vous de tel, méfiez-vous de tel. Ça, c'est le faux comme ça. Je n'ai jamais combattu le ministère de personne, je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que j'ai ma philosophie à moi. Je crois que si on enseigne les chrétiens sur la vérité, on leur donne la maturité. L'Église ne doit pas devenir une prison pour les brebis. Si j'enseigne la parole de Jésus et que les gens qui m'écoutent deviennent des téléos, c'est-à-dire des hommes faits, des hommes matures, cette parole qui leur donnera la maturité leur accordera aussi le discernement. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Je ne viendrai jamais. Je ne riposterai jamais à de tels comportements. Pour dire aux gens, oh, il y a un nom de Dieu comme ça. Il est, je ne veux que Dieu m'en préserve. Je n'ai pas les capacités là. Je n'ai pas la force là. Je n'ai pas cette aptitude. Et je prie que Dieu m'en garde. Donc, c'est pas, je ne crois pas que on ne peut pas voler ta brebis. On ne peut pas se mettre au point où nous sommes parvenus pour lutter pour des brebis, mes frères. Je vous en supplie. Si tu veux que Dieu te donne toutes les brebis d'Europe, vraiment que ton église soit pleine, que je reprenne à zéro, si ça peut apporter la paix dans ton cœur, ça sera mon bonheur. Et je le dis sincèrement, en toute sincérité devant Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu m'en rend témoignage. Si c'est ça, je peux reprendre à zéro. Sincèrement. Je peux même ne plus venir en Europe pour que tu aies la paix. Mais on ne peut pas dire aux gens tous les jours. C'est toi qui as dit aux gens au début, ok, voilà mon frère, allons. Après, maintenant, ça devient encore, oh, les prophètes viennent à Paris, vous courez après eux, et puis, ah. C'est ça qui a toujours semé la confusion dans l'église. J'ai mal en le disant. C'est à cause de ça que certains brebis se découragent et ne comprennent pas comment celui que tu as présenté comme ton frère. Aujourd'hui, tu nous dis que c'est un diable. Ça sert à quoi? On gagne quoi? Sincèrement, on gagne quoi? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi nous faisons ça? Donc, il faut savoir, ma vision sur ta personne n'a pas changé. Tu es un vrai homme de Dieu. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Je ne change rien de ce que j'ai donné comme témoignage. Et je t'aime de l'amour de Christ et je prie pour toi. Si tu ne le savais pas, je prie pour toi et ce que je dis est vrai. Là, je mets mes genoux par terre, je prie pour toi. Le Seigneur t'aide. Je comprends qu'à cause de certaines choses qui sont en train de se passer, que tu sois arrivé jusqu'à ce point, mais c'est rien. Je prie que nous tous, le Seigneur nous aide et que la paix soit rétablie. C'est tout. Et en conclusion, ne jugeons pas les gens que nous ne connaissons pas. La Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Et tu me dis pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne jugeons pas les gens à distance. Ne disons pas des choses, des gens que nous ne connaissons pas, on n'a pas vérifié, on n'a pas les preuves. Non. Disons ce que nous connaissons, arrêtons-nous sur ça. Donc, mentons pas, parce qu'on veut à tout prix dénigrer quelqu'un. En Europe, le Seigneur nous a donné une porte
d'un grand accès. Moi, dans mes principes, je crois en Jésus-Christ qui m'a appelé. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Donc, si les gens viennent à mes programmes, je crois, j'ose croire. Je peux me tromper. Que c'est à cause du témoignage de Dieu qu'ils ont vu en moi. Et lorsqu'une brebis a vu la lumière de Christ quelque part, elle ne peut pas, parce qu'on lui a dit c'est un diable, renoncer. Sauf les brebis qui n'ont pas le témoignage de Dieu peuvent se laisser entraîner par de telles actions. Mais une brebis qui a entendu la voix de Christ reconnaît la voix de Christ. C'est ça la vérité en fait. Tout ce que j'ai fait à Paris, en Europe, je le fais en public. Mes enseignements sont là. Tout ce que je fais, je dis encore, je le fais en public. Il n'y a rien qu'on fait, on éteint les caméras et puis on parle de certaines choses après. Tout est dans mes cultes. J'ai servi Dieu en toute transparence. Je ne suis pas un homme parfait. Ça, c'est clair. Mais je ne suis pas non plus un homme qui manque d'intégrité. Je sers le Seigneur en toute bonne conscience. Et mon zèle pour le Seigneur Jésus-Christ est infaillible. Depuis l'âge de 16 ans, j'étais consacré à Jésus-Christ comme Nazir. Je n'ai pas besoin que quelqu'un dise que je suis vrai ou faux. Je n'en ai pas besoin en fait. Non. Mon frère, ce n'est pas parce que quelqu'un dit que je suis un faux prophète que je vais me dire, ah oh non, pourquoi il a dit ça? Non, vous me connaissez. Vous me connaissez assez. Je m'en fous de ce que quelqu'un peut penser de moi puisque je sais d'où je viens. Je n'ai pas besoin de ça. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Je n'ai pas besoin de l'approbation d'un homme. Nous servons Dieu au milieu de notre peuple. On a appris à servir Dieu au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Ma vie, c'est une longue guerre tous les jours. Mais je dis encore, si nous sommes chrétiens, respectons les principes de Christ. Chrétien, ce n'est pas le nom. Même quand on est homme de Dieu, là, si on ne fait pas attention, on va se retrouver en brousse. Donc, bien-aimé, ce n'est pas... ce n'est pas nécessaire. Pardon, ce n'est pas nécessaire. Ça n'aide pas ni ton église, ni l'église du corps de Christ. Ça n'aide personne. Je pense que devoir être le modèle d'amour, même si je t'ai fait quoi, je pense qu'à un certain moment, il faut pardonner son frère. Arriver à pardonner. Même s'il y a quoi que je t'ai fait. Au lieu d'aller me crucifier, es-tu venu vers moi? M'as-tu rencontré? Est-ce que tu as trouvé tous les moyens? Pour me crier, il y a trop de moyens. Tu peux me dire, frère, sur tel point, je ne suis pas d'accord. Et on va parler, je donnerai mon point de vue par rapport à la situation. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, dans ton église, me saboter et tout. Maintenant, ces gens-là qui ont vu Christ en moi, je suis venu chez vous, j'ai rendu ministère avec puissance et avec autorité. D'après la mesure de grâce que Jésus-Christ m'a donnée, le ministère prophétique a été manifesté avec puissance. On a vu des choses extraordinaires là-bas. Ce n'est pas en me dénigrant aujourd'hui que ceux que Dieu a mis à cœur de persévérer dans mon ministère vont fuir. Peut-être ceux qui sont mal affermis vont écouter, vont partir. C'est vrai. Mais les brebis que le Seigneur Jésus-Christ a rattachées à mon ministère, personne ne peut les faire bouger ni tanguer. Ce n'est même pas possible. Ça, c'est ma façon de voir. Si quelqu'un part, nous ne pleurons pas. Nous disons qu'il n'était pas des nôtres. Mais ceux qui ont reçu le témoignage de Dieu, ceux qui ont écouté Dieu me concernant, qui connaissent mon témoignage, c'est-à-dire pas sur les oui-dire, mais par la révélation de Jésus-Christ, ceux-là, personne ne les arrachera de cette bergerie, ils seront toujours là. J'irai en France, ils viendront toujours. Et une dernière chose que je voudrais dire avant de partir, apprenons à célébrer le succès des autres. C'est tout ce que je peux dire. La jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bien. Célébrons. Je suis arrivé en Europe. Ce n'est pas pour me prévaloir surtout sur les gens. Ce n'est pas pour arracher le ministère de quelqu'un ou les brebis de quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit quelque chose. Les guerres de brebis, c'est l'immaturité spirituelle ministérielle. Un homme de Dieu, quand il atteint le point de maturation, il doit comprendre. Les brebis, là, quelqu'un peut aller ailleurs, Dieu le bénit là-bas. Je ne suis pas le seul vrai homme de Dieu dans ma génération. Il y en a beaucoup. Dieu peut utiliser un autre homme de Dieu pour bénir une brebis de ton église. Mais ça ne veut pas pour autant dire que cette brebis-là n'est pas ta brebis. Non. Non. Ta brebis peut être nourrie par l'herbe d'une autre bergerie. Mais c'est que voilà ma maison.
Moi, j'ai donné l'exemple. On a eu des problèmes ici. J'ai eu des mésententes avec Ophen Defo. Il a invité l'apôtre Joshua Suleiman qui est venu. Mes leaders sont allés à cette campagne. Ils sont allés. Beaucoup de mes brebis sont partis à cette campagne. Ils sont allés là-bas. Ils sont rentrés me raconter, les leaders, je parle de mes leaders, ça veut dire que les principaux dirigeants de notre ministère, ils sont revenus. Pourquoi? Je leur apprends que l'église, ce n'est pas la prison. Vous n'êtes pas en prison. Je peux enchaîner les gens. Parce que quand tu viens là, je ne sais pas d'où tu viens. Jésus qui t'a amené, c'est lui le patron. Hein? Donc, si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais dit à mes fidèles, au leader, que, attendez. Donc, moi, je vais voir avec quelqu'un, vous partez dans son programme, pourquoi? Parfois, à la télé, je vois mes enfants qui sont avec moi depuis plus de 10 ans. Mes enfants qui sont avec moi depuis plus de 10 ans. Je les vois à la télé dans d'autres églises. Ils vont me témoigner. Même là-bas, à Omnisport, là, mes enfants qui me sont loyaux ont témoigné de guérison là-bas. Donc, mon bien-aimé, si c'était toi, c'est que tu les as chassés de l'église et punis. Tant que c'est une autre bergerie, tant que c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est prêché là-bas, sincèrement, où est le mal? J'ai ma fille Axel qui m'a demandé la dernière fois à Paris, papa, pardon, j'ai le reverend Wafo qui est en train de venir et avant je suivais ses programmes. Est-ce que je peux aller à son programme? Est-ce que je peux aller assister à sa campagne? Parce que j'aide à organiser, je suis dans le groupe, le comité d'organisation. Elle appréhendait ma réponse. Je lui ai dit, mais bien sûr, c'est un homme de Dieu, vas-y. Si tu peux être une bénédiction pour lui, je ne vois aucun inconvénient en cela. C'est un homme de Dieu, vas-y. Elle est partie. Pourquoi on va se combattre? Pourquoi je vais dire, ne pars pas? Si vraiment c'est Christ que je sers, si c'est la gloire de Jésus que je cherche, pourquoi empêcher une brebis d'aller s'asseoir où il y a un vrai homme de Dieu pour écouter un enseignement? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, j'ai d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, lorsqu'un homme de Dieu commence à penser qu'il est le seul, il a le monopole du savoir et tout, c'est le début de la fin. Ce n'est pas une bonne chose. Jésus a dit qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. C'est-à-dire qu'elles sont dans une autre bergerie. Et dans cette bergerie, il y a d'autres bergers. Et lorsque les apôtres sont sortis, ils ont rencontré un monsieur qui était en train de prêcher Christ. Ils l'ont empêché de prêcher Christ. Ils l'ont empêché de prêcher Christ. Et ils ont fermé son église. Ils ont dit, nous, on est des apôtres, on marche avec Jésus. Ils sont revenus. Ils étaient très contents. Ils ont dit à Jésus, voilà, on a rencontré quelqu'un qui parlait de toi là. Il ne fait pas partie des 12. Donc, nous, on a fermé les bêtises là. Jésus a dit quoi? Non, laissez-le. Celui qui ne disperse pas en masse avec nous. J'ai d'autres encore. Ce n'est pas seulement vous qui êtes mes serviteurs. J'ai d'autres encore que vous ne connaissez pas. Donc moi, je pense que ne laissons pas nos différences nous amener à troubler jusqu'à l'église. C'est-à-dire, ne laissons pas nos différences nous amener à poser certaines actions qui sont inutiles. Et ne prenons pas le succès des autres comme une offense. Si c'est pour Christ que nous travaillons, je pense que c'est important. Moi, j'ai des hommes de Dieu qui sont venus. Quelqu'un vient avec sa brebis, dit que voici, vraiment, il a tel problème, moi, je ne suis pas prophète, prie. Et c'est ça la collaboration. On va se combattre comment? Maintenant, on va se voir si on va faire comment? Puisque j'y serai. Que tu le veuilles ou pas, que tu crois ou pas, que tu sois content ou fâché. Le jugement des hommes n'est pas le jugement de Dieu. On sera là-bas, on va faire comme mon frère. On se met de régler nos problèmes ici. Moi, je pense à une chose. Le temps arrivera, au temps convenable, on s'assiera et on parlera. Chacun parlera à son frère, à son prochain, comme il a dit par Zacharie. Seulement, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Donc, bien aimé, ce n'est pas nécessaire, sincèrement. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne méthode.
Ce n'est pas une bonne méthode. Tu as quelque chose à me dire, cherche-moi et on va parler. Donc que Dieu te bénisse et nous continuons à prier pour toi. Je continue à prier pour toi, pour ta maison, pour ton ministère et que Dieu nous aide. Voilà, bon culte à chacun. Ce dimanche, on aura une onction. C'est le dimanche de la prospérité où Dieu doit accorder la prospérité à son peuple. Je veux oindre les mains de tous ceux qui seront présents, la main droite et la main gauche. Donc bien-aimé, ne manque sous aucun prétexte à la rencontre de ce culte de dimanche à partir de 8h à la Bille, ici à Yaoundé. Comme tu viens, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.